Avant que je ne témoigne, j'appelle ma femme pour qu'elle avance avec la révélation de l'année. En fait, le Dieu de l'apôtre est un Dieu de consolation. Il s'est consolé. On a totalisé 4 ans de mariage et pendant 3 ans, on a passé des moments de confusion, d'humiliation, des injures venant de nos familles et c'était compliqué. On a été victime de la sorcellerie. On nous a ensorcelés à un degré inimaginable. À tel point qu'on s'est demandé si réellement Dieu était avec nous. Mais il était réellement avec nous. Après un temps, tellement qu'il y avait vraiment de problèmes, un jour, ma femme me rappellera, disant que, chérie, il est temps maintenant pour que nous puissions retourner à l'Alliance, parce que moi j'ai servi le Seigneur pendant 10 ans à l'intercession au ministère. Amen. Retournons là-bas, nous allons voir si ces gens-là auront encore le dessus sur nous. Et il s'est fait qu'en venant ici, en 2017, l'apôtre était en train de nous enseigner par rapport aux gens qui insultaient l'onction. Et lorsque nous nous sommes approchés, on a demandé pardon à l'onction et durant tout ce temps-là, on était en train de renouveler notre alliance avec Dieu. Mais le 3 janvier de cette année, on était venu comme d'habitude au culte. Le soir vers 19h, l'apôtre nous a... ma femme était venue remettre ses offrandes et l'apôtre l'invita, lui disant, ma fille, viens. Vous avez des enfants? Elle lui répondra en disant, non, appelle ton mari. Et je me suis avancé. Juste la parole de l'apôtre disant ceci, que mon Dieu vous console, et il a placé 3 gouttes d'eau dans nos mains, dans la main gauche et droite, ainsi que dans ses mains, et tout avait changé. Et voici ses enfants qui sont là. Et je demande à tous nos frères et sœurs qui ont abandonné l'Alliance, ceux qui sont partis et qui vivent des situations difficiles, de retourner ici. Ici, c'est Jérusalem, là où ils auront l'exaucement de leurs prières. Je ne sais pas quoi dire. Dieu nous a surpris. Dieu, il est merveilleux. Quand papa dit qu'il ne faut jamais abandonner l'Alliance, moi, je suis la preuve de cela. Je me suis dit, Seigneur, après toutes ces années que je servis au pied de ton serviteur, je suis une fille. J'ai grandi de ma mère, de ton serviteur. Je suis née de ses entrailles. Comment est-ce que le gens de ce monde pouvait avoir le dessus sur moi? Et je me suis résolue de retourner à l'Alliance. Parce que ça faisait beaucoup de temps que je ne servais plus. Vu mon temps au boulot, j'ai beaucoup de travail là-bas. Mais je me suis dit, Seigneur, je veux rentrer. Quel que soit le temps que je finis mon boulot, même à 21h, je mettrai mes pieds au culte à l'église. Et c'est comme ça que Dieu, le Dieu de Mutombo, nous a honorés. Et ces jours-là, l'onction nous a vus. J'ai dit à mon mari, cette fois-ci, ça y est. Et c'était parti. Et aujourd'hui, me voici, moi, bouillie. Moi, qu'on insultait. Moi, qu'on dénigrait de tout le monde, par tous nos deux familles. Mais Dieu a essuyé nos larmes. Je ne sais pas quoi dire. Après 4 ans de mariage, après 15 fausses couches, il y a une grossesse de 6 mois qui a disparu.
et une autre de 5 mois, j'avais fait une fausse couche. Après le 13 autres, c'était... Si je suis grosse, après 2-3 mois, j'avortais. Donc c'est ça. Et on bénit le Dieu de papa, il est merveilleux. Qui connaît cet enfant? Nanaïbi Moanoyo. Qui connaît cette jeune dame? Nanaïbi Elenge Moasoyo, maman Mapasa. Elle est venue à l'église toute petite et la grandi dans l'église. Ayaka n'église mona moke pe a kolande awa n'église. Quand le garçon s'est présenté pour l'épouser, Tangolingo balaya ki pabalaye. Le frère priait dans une autre église. Alors, il était question qu'ils aillent prier dans cette église. Quand de multiples attaques ont commencé, au point que sa belle-mère lui dise, les jours, si tu oses accoucher toi, ajoute-moi un doigt ici. Si maman n'a le bac à naïté, yo ce qui au boti, maman bokilo le bac à naïé, yo ce qui au boti, bakisanga, mosapi, a motoba, na le boc. Tu ajoutes ici et tu ajoutes là. Obaki, au tchamo, obaki son le boc à moi, si pia mobali, newana yoko bot. Le Seigneur a bakisi à moussous, a bakisi pour moussous, a moana. Alléluia. Il anéantit les projets des méchants. Notre Seigneur est celui qui anéantit les projets des méchants. Et après, vous imaginez 15 fausses couches. Si manaye ko sala ba fausses couches mbala jome na mitano. Une grossesse de 6 mois qui disparaît. Zemi ya sanza motoba et 8 mois kakaboy. Le Seigneur a pris la décision d'intervenir. Kolo ayeko joye kateli ya kokota li kambo yango. Aujourd'hui, il a pris aussi la décision d'intervenir. Le lope azue kateli ya kokota li kambo ya bomo na yo. Ces enfants qui sont le fruit des défis. Le Seigneur, merveilleux. Acclame-moi le Seigneur.